السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين 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 آمين. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام encore une deuxième fois. وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه ومغفرته. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإخوتي وأخواتي من الفائزين. آمين آمين آمين. Mes enfants, le sujet d'aujourd'hui c'est la mort et qu'est-ce qui se passe après la mort. كلنا يعلم أن الموت هو نهاية هذه الدنيا. Chacun de nous sait que la mort c'est la finalité de cette vie ici-bas. Allah Azza wa Jal il a dit dans le Coran إنك ميت وإنهم ميتون. Allah Azza wa Jal il a envoyé l'ange Gabriel عليه السلام au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam قائلا يا محمد. Il lui a dit يا محمد عش ما شئت. Vis ce que tu voudras, fa innaka mayit, tu vas mourir un jour ou l'autre. Ihbib man shi't, aime qui tu voudras, fa innaka mufariquh, tu vas le quitter un jour ou l'autre. I'mal ma shi't, fais ce que tu voudras, tu vas en rendre des comptes un jour ou l'autre. Wa li hadha al-maut huwa nihayat hadhihi ad-dunya, c'est la finalité de notre vie ici-bas. Et après vous allez habiter dans un appartement particulier, al-qabr. Wallahi mes frères et mes sœurs, Al-Qabr, les musulmans, ce sont les seuls sur la planète Terre, à ma connaissance, qui sont conscients de ce qui se passe réellement après la mort. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, liukhbirana, pour nous informer tout ce qui se passe après notre mort. Du début jusqu'à la fin. Dès que l'ange de la mort il vient devant nous, cette vision que le musulman, la musulmane a là, va lui faciliter justement le cheminement. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Le cheminement de ce verset où Allah il nous interpelle, il nous invite et ne mourrez que soumis à lui, musulmans et musulmanes. Mes enfants, quand on va mourir, نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يموتون بقلب سليم. Quand on va mourir, on se doit d'avoir un cœur propre, un cœur pur, plein de lumière, plein de connaissances, de préparation de qu'est-ce qui nous attend. Chaque musulman se doit de mettre entre ses yeux. يجب على كل مسلم أن يضع نصب عينيه. Hadith al-Nabi alayhi salatu wa salam, cette parole, cette recommandation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Wallahi la tamutunna kama tanamun » Vous allez tous et toutes mourir, on va tous mourir comme on dort. « Wala tub'athunna kama tastayqidun » Et vous allez être ressuscité quand vous vous réveillez du sommeil. Mes enfants, quand on dort le soir, vous mourrez tous les jours, vous mourrez. Tous les jours, on mout au gars, tous les jours. Le sommeil, c'est la petite mort.
Al-Mawtatu Sughra. Allah, il l'a cité dans le Coran. La musulmane que tu es, le musulman que tu es, mon frère, se doit justement de mourir musulman, mais comme je meurs tous les soirs et que je ne suis pas un ignorant, puisque Muhammad alayhi salatu wa salam m'a expliqué à mon sommeil qu'est-ce que je me dois de faire. Car en dormant, je meurs une petite mort. Et dans cette petite mort, peut-être que je ne me réveillerai pas. Peut-être que mon âme ne reprendrait pas mon corps. Donc le Nabi alayhi salatu wa salam nous a enseigné « وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ نَارًا أَبَدًا » Le prophète dans ce hadith, il nous dit « Sachez qu'après la mort, c'est soit un paradis pour tout le temps, pour l'éternité, ou un enfer pour l'éternité. » Et ce n'est pas comme certains ont cru comprendre. Vous savez, dernièrement, il y a un chanteur, mais ce n'est pas votre génération à vous les jeunes, c'est la génération de Ami Hassan. Un chanteur qui est mort le 23 mai, qui s'appelait George Moustaki, il s'appelle toujours George Moustaki. Il chantait une chanson. Il disait dans cette chanson, quand j'étais jeune, moi je la chantais. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Tintin et Milou, tu vas te reposer. Wallahi. Mes enfants, la chose la plus importante, قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه l'intelligent, le fourbe, l'intelligente, la fourbe, celle qui est vraiment consciente, il faudrait qu'elle se juge elle-même. تحسب روحها دان نفسه, elle fait le compte avec sa propre personne. وعمل لما بعد الموت, il se doit d'œuvrer pour la chose qui nous attend tous et toutes. Musulmans, pas musulmans, juifs, chrétiens, tout ce que cet être humain peut espérer, c'est un jour ou l'autre, malgré lui, qu'il meure comme ça plaise à Dieu. Qu'il meure, mais d'une façon lui donnant de l'espoir pour que cette mort soit justement l'arrêt de tous les soucis. Wallahi, mes enfants. Vous savez que quand on meurt, tous nos problèmes du jour d'aujourd'hui deviennent rien du tout par rapport à la première nuit dans la tombe. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, médite avec moi 10 secondes. Allah yiftah alikum, qu'Allah vous ouvre, inshallah, les portes de sa miséricorde. Méditez sur ce que je vais vous dire. Si maintenant, à la seconde, là, l'ange de la mort, il rentre, wallahi, si maintenant, à la seconde, là, dans cette salle, l'ange de la mort, il rentre, est-ce qu'on est prêt à partir, nous? Wallah, on n'est pas prêt. Wallah, on n'est pas prêt. Mais Allah Azza wa Jal, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné, mes enfants, de nous préparer à l'avance. De nous préparer à l'avance. Pour qu'on ne soit pas surpris. Pour qu'on n'ait pas de surprise et mourir pas comme ça plaise à Dieu. Allah Azza wa Jalla, il a envoyé ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit « Man sarrahu an yandur ila yawm al-qiyamah » Celui qui aimerait voir une scène de jour de jugement, une scène de jour où tout le monde va passer devant Allah, et bien qu'ils lisent « Idha shamsu kuwirat » Qu'ils lisent cette sourate « Idha shamsu kuwirat » « Wa idha sama'un fatarat » « Wa idha sama'un shakkat » C'est un moment difficile pour nous tous et toutes. Qu'on n'y a jamais peut-être pensé et préparé. Ceux qui sont arabophones, ils lèvent la main. Ceux qui sont arabophones, tassah. Arabophones, tassah. Mais si ils traversent la rue, crasent à ton mobile, ramassent morceau. Man yafhamu al-lugha al-arabiyya yarfa yada. Haoula illadina yafhamuna al-lugha al-arabiyya. Barakallahu fikum.
مثل لنفسك أيها المغرور، الله أكبر، يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت الشمس، الله أكبر، إذا كورت الشمس شمس النهار وأدنيت حتى على رئاس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء تدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأمليك أين تسير، وإذا تقاتل المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموؤودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهكتت للمؤمنين ستور، وإذا السماء تكشتت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفة على طول البلاء سبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جنينه، كيف المصير على الذنوب كيف المصر على الذنوب دهور. أسأل الله العظيم من فراري مسور qu'il fasse que notre vie ici dans ce monde si bas soit la chose qui va nous apporter une éternité paisible et agréable. Ce poème, pour ceux qui sont arabophones, ils comprennent un tout petit peu que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous a appelés pour méditer sur la mort, c'est en fait il y a dans notre vie quatre modes de vie, quatre mondes. Ces quatre mondes, le premier monde dans lequel on se doit de méditer, Al-Hayat, التي خلقنا فيها في الأول. On était dans le monde de Rahim. On était dans le monde du ventre de la maman. Premier monde. Deuxième monde, on est sorti du ventre de la mère à cette vie ci-bas. La terre, la vie et dunya. Troisième monde, et c'est par lequel notre mort commence, Alam al-Barzakh. Le monde de Barzakh. Et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, quand vous allez comprendre qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui nous attend tous, ça va revivifier votre foi. Ça va te donner une envie de te repentir facilement. Alam al-Barzakh, la salle d'attente. Et le quatrième monde, Alam al-Ba'th, Yawm al-Qiyamah. Alam al-Barzakh, c'est la première salle, la première nuit après notre mort. Mais venez, on va voir avant la mort. On est en train de mourir. On est dans notre lit de mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, que celui qui est dans la droiture, celui qui est islamiquement correct, il a des anges qui vont venir extraire son âme, prendre ton âme, ma soeur, mon frère, prendre la mienne, peut-être la mienne avant vous tous parce que je suis plus vieux. Wallahi. Mais la mort ne choisit pas comme elle veut. Elle choisit comme Allah Azza wa Jalla en a décidé. Et première histoire de la mort où vous devriez méditer, où je devrais méditer, c'est la mort du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous êtes toutes et tous informés que le prophète il est mort à 63 ans et qu'il nous a dit a'maru ummati tatarawahu bayna 60 wa 70. Les âges de ma communauté varient entre 60 et 70 ans. Méditez un petit peu sur ce que je vais vous dire, mes enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam, tout petit, il a perdu son père et sa mère. Il a eu 7 enfants. Les 7 enfants de son vivant, 6 sont morts. Il en restait qu'une seule, Fatima Zahra.
Et Fatima Zahra, au moment de la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, elle pleurait. Il l'a appelé, lui a parlé dans l'oreille. Elle s'est mise à sourire. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qalat, non, je ne dévoile pas le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, on lui a posé la question. Elle a dit, il m'a dit que je serai la prochaine à le suivre. 6 mois après, elle le rejoint. Donc la mort, pour nous les musulmans et les musulmanes, quand on s'y est préparé, on se doit de l'accueillir comment? Avec joie. Qala sallallahu alayhi wa sallam, al-maut tuhfatul mu'min. La mort, mes enfants, c'est la chose la plus merveilleuse que le croyant attend. Sauf que nous, des fois, on a peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé. On a tout préparé pour dunya. Wallahi. On a tout préparé pour la vie ici-bas. Un des prédécesseurs, on lui a dit, « Ya Sheikh, limada nuhibbu dunya wa nakrahu al-maut. Pourquoi on aime cette vie ici-bas et on déteste la mort ?» Faqala li'annakum ammartum dunyakum. Parce que vous avez vraiment embellit votre vie ici-bas. Vous avez construit des patrimoines dedans. Vous avez tout cerné pour qu'elle soit une belle vie dans cette vie ici-bas. Wa kharrabtum akhiratakum. Et vous avez quoi? Ruiné votre au-delà. Ruiné votre vie éternelle. Fatakrahuna an tantaqilu min asma'. Vous détestez de vous déplacer de là où vous avez tout pour tout ce qui est pour vous. Kharab. Ruine, il n'y a rien, nous n'avons rien fait. Walihada, mes enfants, la chose la plus importante, comme il a dit le sha'ir, Ya man bidunya hushtagal. Ô toi qui s'est préparé à s'occuper que de la dunya. Ya man bidunya hushtagal. Wa gharrahu toulul amal. Et qui a été trompé par l'espoir. Mazel tsghira. Combien de jeunes filles, tu lui dis, ma soeur, le hijab. Ah ben attends, Inch'Allah, mon frère, j'ai l'intention. J'ai l'intention. Vous êtes sghira. Nous avons des Tunisiennes, des Algériennes, des Marocaines, des femmes arabes, musulmanes. Elle dit à sa fille, quand tu seras mariée, tu mettras le hijab. Parce qu'elle pense que le mariage ne pourrait pas être avancé si on ne la voit pas belle. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que nous les hommes, par Allah Azza wa Jal, je parle à la place de mes frères ici. La beauté, on ne la donne pas forcément comme cette vieille maman considère comme beauté, mais on la donne par rapport à la piété. Et la piété va obliger la personne à se rendre compte que dans sa tombe, mes enfants, par Allah Azza wa Jal, dans votre tombe et dans la mienne, je suis responsable devant Allah Azza wa Jal de ne rien vous cacher et de vous dire la vérité. Ce qui se passe après la mort a réveillé en moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé mon repentir, beaucoup de choses. Un livre que j'avais acheté à l'époque, je crois, 15 francs, c'était le franc. C'était un petit livre bleu, une quinzaine de pages, je pense qu'il y en a qui ont dû le lire. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Allahu Akbar. Et mon frère et ma sœur, quand j'ai lu une histoire du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne, ma soeur écoute bien, quand il a fait le voyage nocturne, il avait vu des scènes de jour de jugement. Et il avait vu des scènes de qu'est-ce qui se passe dans la tombe. Et il avait vu, j'ai vu des femmes accrochées par leurs cheveux dans la tombe. Azab fil qabr. Ami Hassan, il y a beaucoup de soeurs qui n'ont pas de hijab. Ce n'est pas un problème. Je me dois de vous dire la vérité, mais prenez ce que je vous dis comme un conseil de papa. Ce qu'il vous manque, ce n'est pas le hijab. Ce qu'il vous manque, c'est la foi qui va augmenter dans votre cœur pour pouvoir porter le hijab pour Allah et non pas pour les autres. Je dois me le porter, non pas parce que mon père, ma mère m'y oblige, mon mari m'y oblige, mon frère m'y oblige, ni ma sœur m'oblige, ni personne, mais je me dois de le porter pour Allah Azza wa Jal pour éviter un châtiment dans la tombe spéciale. Et par Allah Azza wa Jal, j'ai envie de pleurer parce que je vais vous raconter une histoire vraie. Allah, il en est témoin au-dessus de tous les cieux. C'était ma voisine. Je faisais des dourous et elle venait écouter.
Et quand je lui ai parlé de qu'est-ce qui se passe dans la tombe, comme quoi le prophète alayhi salatu wasalam akhbar, il nous a informé qu'il y a un châtiment pour la femme qui ne met pas le hijab et que les anges l'accrochent par ses cheveux dans la tombe. Et c'est comme ça qu'elle va expier, c'est comme ça qu'elle va payer ses péchés dans la tombe jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla la soulage. Elle a décidé de porter le hijab. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a décidé de porter le hijab et elle est rentrée à la maison. Et elle a dit à son mari, à partir de maintenant, je vais porter le hijab. Son mari, qu'Allah lui pardonne. Assalallahu alayhi wa sallam, man yarhamu al-muslimin ajma'i. Qulu amin. Il a dit non, je ne veux pas que tu le portes. C'est moi ton mari, c'est moi qui commande, je ne veux pas que tu le portes. Elle lui dit, mais attends, Ami Hassan, il a raconté une histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a dans la tombe, les femmes seront accrochées par leurs cheveux. Ils vont être pendus par leurs cheveux dans la tombe pour le châtiment qu'ils méritent d'avoir été un certain temps sans hijab. Je jure sur Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Ce qui lui a répondu son mari, il lui a dit, ne t'inquiète pas, quand tu mourras, je te raserai le crâne. Uqsimu bi rabbi sab'a samawati wal ard. Uqsimu billah. Il n'a pas fini l'année. Il est mort, lui, avant la dame. Non. Voilà, mes enfants, la mort. Wal mawtu ya'ti baghtatan. Ya man bi dunyahu ishtaghal. Wa gharrahu toulu l'amal. Wa qad madha fi ghaflatin. حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل الموت يأتي بغتة La mort, elle vient en surprise. Tu ne t'attends pas, mon frère et ma soeur, jusqu'à ce que l'ange de la mort, il est devant toi. Tu ne sais pas, 18 ans, 19 ans, 14 ans. Mon petit-neveu, il avait 14 ans. Son grand-père, il est en réanimation, 88 ans. Le grand-père qui est en réanimation, 88 ans, il s'en sort, il vit un an après. Et mon petit-neveu de 14 ans, il fait un arrêt cardiaque, il meurt à 14 ans. Allahu Akbar. Il y a 2 ans de ça. Si on serait venu voir le grand-père, on lui aurait dit, ton petit-neveu, il est mort à 14 ans, il s'étonnerait. Voilà, mes enfants, kam min insan na'im. Combien de personnes dorment au jour d'aujourd'hui, parmi vous, moi, nous tous? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rappel. Car on n'a pas de rappel qui nous réveille au niveau de prise de conscience que je vais un jour ou l'autre rencontrer l'ange de la mort. L'ange de la mort, il va nous voir un jour ou l'autre malgré nous. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on peut refuser d'aller avec lui? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut lui dire, non, écoute, tu sais quoi, laisse-moi un peu de temps. Ça y est, je vais tout arranger, Inch'Allah, et je vais rectifier. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Première chose, mes enfants, si l'ange de la mort rentre maintenant, il nous prendrait notre âme. Combien de personnes parmi nous, au jour d'aujourd'hui, dans son téléphone portable, il aimerait avoir effacé toutes les choses qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jal. Toutes les photos qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jal. Toutes les musiques qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jal. Qui serait capable de rester tranquille en mourant avec ce que nous avons dans nos portables? Bismillah. Dans nos ordinateurs. Voilà, le Nabi alayhi salatu wa salam, mes enfants, akhbarana, que chacun goûtera la mort, comme il a dit Allah Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Chacun goûtera la mort. Vous savez pourquoi on commet les péchés? Limadha nudhnib. Pourquoi nous commettons les péchés? Qal kathratu dhunub. Min qaswati al-qulub. Nous commettons trop de péchés parce que nos cœurs sont durcis. Wa qaswati al-qulub. Nos cœurs sont durcis. Pourquoi? Min nisyan al-maut. Parce que nous avons oublié la mort. Wa nisyan al-maut. L'oubli de la mort, il vient de quoi? Min tul al-amal. Parce que nous avons beaucoup mis d'espoir
oh mais je suis encore jeune, j'ai toute ma vie, inshallah, mais un jour je me repentirai, un jour, tout l'amal, mettre la barre loin au niveau de la mort. Wa tout l'amal min ash-shaytan. Na'am. Min ash-shaytan, mes enfants. Wa li hadha qala ahad al-ulama, hubb ad-dunya yaqud ila al-ghafla. Un savant a dit, l'amour de cette dunya-là, il nous emmène un petit peu vers l'insouciance. Et c'est parmi les choses qui vont revivifier à l'intérieur de ton cœur et du mien le fait de penser que je suis encore jeune, j'ai encore l'espoir. Et on est des fois surpris. Voilà, mes enfants, la première des choses, c'est qu'Allah Azza wa Jal, comme il disait Rasulullah alayhi salatu wa salam, أعذر الله إلى أمر أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. الله il a donné toutes les excuses. Il y a plus d'excuses pour la personne qui est arrivée à 60 ans et qui n'a pas réussi à se repentir, à revenir à la case départ. لماذا? Parce que maintenant mes enfants, si vous vous repentissez, si je me repens avant la mort, Allah il m'efface tout ce que j'ai commis comme péché. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sauf ceux qui se repentissent, qui croient en Dieu, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ils changent leurs mauvaises actions en bonnes actions. Mes enfants, la chose la plus importante, c'est la peur de mal finir ma vie, avant de vous expliquer comment ça se passe au niveau de la mort réelle. الخوف من سوء الخاتمة. La peur de justement mal mourir. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah il nous recommande de ne mourir que musulmans ou musulmanes. حذيفة بن اليمان. Vous savez ce qui est حذيفة بن اليمان? C'est ce compagnon qui était digne de confiance à qui le prophète عليه الصلاة والسلام lui a donné la liste de tous les hypocrites. C'est l'homme de confiance du Nabi صلى الله عليه وسلم. Il est en train de mourir عند الاحتضار. Cet homme là, il fait partie des compagnons les plus proches du Nabi alayhi salatu wa salam. Il est avec Ibn Mas'ud, il est avec cet autre compagnon qui est Ibn Mas'ud radiyallahu anhu majma'in. Il lui dit, kum fa'anzur, lève-toi et va regarder. Kum fa'anzur ayu sa'a hiya. Il n'avait pas de montre, ils n'ont pas de portable comme nous maintenant. Il lui dit, lève-toi et va regarder quelle heure il est là. Faqam Ibn Mas'ud thumma ja'a. Ibn Mas'ud, il est sorti de la maison existant, et puis il est revenu, il a dit, la qatala'at al-hamra, yani shams, le soleil il est bien sorti. Faqala Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wa arda, a'udhu billah min sabahin ila an-nar. Je demande protection à Allah azza wa jal d'une matinée qui pourrait être peut-être une source d'aller directement en enfer. Limadha? لأن النبي عليه الصلاة والسلام il nous a informé, mes enfants, من مات فقد قامت قيامته. Celui qui meurt, son jour de jugement il va commencer. Celui qui meurt, il ne faut pas s'attendre à ce que oui, je vais rester éternellement, peut-être pendant 2000 ans, 3000 ans, et après je vais être jugé. Non. من مات فقد قامت قيامته. Celui qui va mourir, son jour de jugement, il va commencer. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des anges qui vont venir lui poser des questions. Première des questions, et vous êtes encore vivante et je suis encore vivant et on n'est pas encore mort. On va voir si c'est les anges de la miséricorde qui se mettent devant nous, les anges du châtiment. Akhbarana al-Nabi alayhi salatu wa salam, mes enfants, de ça. Si nous avons œuvré toute notre vie avec des bonnes actions et avec des choses positives, nous avons fait les cinq piliers de l'islam. La première ou le premier des piliers qui va être, inshallah, positif pour toi et que tout le reste va être, inshallah, positif. Après shahada, quand tu es musulman et musulman, as-salat. Man saluhat salatuhu saluha sa'iru amalih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit après, tout ce qui est basé sur la réussite de tous tes projets, c'est ta prière. Si ta prière a été correcte, tout le reste va être correct. Quand on va mourir, mes enfants, les anges de la miséricorde viendraient pour prendre notre âme. En nous disant, Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur. Ne soyez pas triste. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhira. Nous sommes vos tuteurs.
في الحياة الدنيا dans la vie ici bas وفي الآخرة vous savez في الحياة الدنيا avant la mort. Les savants, ils ont expliqué avant la mort. C'est-à-dire qu'avant la mort, Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala va faire résister mon frère et ma soeur ton cœur pour que tu puisses trouver cette parole que le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseignée en nous disant man kana akhiru kalamihi min ad-dunya. C'est lui qui dit la dernière parole de cette vie ci-bas, la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. C'est lui qui va dire la dernière parole de sa vie ici-bas, avant de mourir, la ilaha illallah, avec sincérité, il sera parmi les gens du paradis. Allahu Akbar. Mais mes enfants, est-ce que c'est facile de dire la ilaha illallah? Wallahi, c'est pas évident. Au moment où on va mourir, c'est pas évident. Par Allah Azza wa Jal. Par Allah, c'est pas facile. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya, la ilaha illallah. Il est en train de mourir. Et ils sont venus voir, ça se passe à Marseille. Ils sont venus voir à la mosquée. Kalu ya sheikh, l'homme il est en train d'agonir. Il est à l'agonie, il est en train de mourir. Vous pouvez envoyer un groupe? Kalu na'am. Ils ont envoyé une équipe, 4-5 frères, mashallah, musulmans. Il est en train de mourir. Et Nabi alayhi salatu wa salam, mes enfants, nous a enseigné à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vais vous choquer quand je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Par Allah Azza wa Jal, vous allez être étonnés, mes enfants, sur ce que je vais vous dire. Ce moment-là, c'est un moment essentiel pour la réussite ou l'échec de toute la vie éternelle de chaque musulman et de chaque musulman. Il ne faut pas le rater. C'est le moment où tu vas dire, le moment où tu vas dire la phrase clé pour aller éternellement au paradis ou en enfer. فهي جنة أو نار فريق في الجنة وفريق في السعير. Il n'y a pas autre chose. Alors le groupe il est venu, ils lui ont dit ya akhi, bismillah, bismillah, قل لا إله إلا الله. Dis la ilaha illallah. Par Allah, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? اللي عنده 100 مليون يموت هو. Celui qui a 100 millions il meurt هو. Il est en train de répéter ça. اللي عنده 100 مليون il meurt. Une autre histoire, il est en train d'agonir, il est en train de mourir. Ils lui disent, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Wallahi, la yastatir. Il ne peut pas dire la ilaha illallah. Wallahi, hada, mes enfants, quand vous êtes dans la droiture, dans la compréhension de votre religion, vous devez vous préparer. Je me dois de me préparer. Préparer sa famille, préparer son père, sa mère, préparer ses enfants. En disant quoi? Si jamais la mort va arriver, vous allez faire la chose suivante. D'abord, vous ne permettez à personne de rester parmi celui qui est en train de mourir, avec qui j'ai un bis-bis, avec qui j'ai un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce moment, bien précis, de pouvoir retrouver toutes les forces de son esprit, il ne faut pas lui emmener quelqu'un qui va le perturber. Quelqu'un avec qui il a un problème, je viens lui demander pardon. Quand tu vas venir lui demander pardon, tu vas rentrer tellement dans son système, peut-être à l'intérieur tu vas l'énerver, il va dire celui-là, même au moment de mourir, magalish, khalini tranquille. Wallahi. Et il va dire quoi? Et il ne va pas être bien. Il ne va pas être bien. Bismillah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir comprendre que au moment de mourir, on a besoin d'un maximum de ses forces pour pouvoir trouver la ilaha illallah. La deuxième chose, c'est que parmi les gens qui sont là à l'agonie, si c'est mon père ou ma mère ou quelqu'un de ma famille est en train de mourir, s'il y a des sœurs, je lui dis couvre-toi, couvrez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges. Les anges de la mort vont être là. Et s'il y a des frères qui ont des bagues en or, parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont des bagues en or. Pourquoi, Ami Hassan, c'est haram de porter les bagues en or? C'est pas haram, non? Vous avez tout rendu haram, vous les hommes, musulmans de maintenant. Wallah, c'est haram, mon frère.
والله سحرا. Celui qui a une bague en or, gourmet en or, il est en train de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et les anges de la Rahman ne rentrent pas dans un endroit où il y a la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Vous ne devriez pas laisser, même si c'est ton grand frère. Tu dis, mon frère, sors, enlève tout ça. Enlève tes bijoux. Et rentre si tu veux après. Celui qui vient fumer tout autour du défunt, qui est en train de mourir, il fume parce qu'il a la haine. Il a la haine de quoi? Il est dégoûté, son père est en train de mourir, il n'en peut plus. Et en fait, il est dégoûté contre qui? Contre Allah Azza wa Jal. Parce qu'il n'a pas compris celui-là quoi, mes enfants? Il n'a pas compris ce que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit. « Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah. » Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah Azza wa Jal, il aime sa rencontre. Mais celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها الذي يا رسول الله كلنا يكره الموت نديتستان توس لامور قال ليس الأمر كذلك يا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ديس نيبا كمسا من أحب لقاء الله أحب الله لقاء سلوي كم لا رنكونت الله عز وجل الله إلى مسا رنكونت لوي فاسيليت il lui facilite la fin de sa vie et il le prend sur un acte qui plaise à Allah عز وجل et il sera pris par les anges de la miséricorde. نعم. Voilà, mes enfants, parmi les choses qu'on se doit de connaître par Allah Azza wa Jal, vous vous rendez compte? Salat al-janaza, la prière du défunt, la prière du mort. La toilette mortuaire, hein, vous allez tous mourir un jour ou l'autre, on va tous mourir. Vous savez qu'on va mourir. Vous le savez ça. Wallahi, c'est une vérité. Allah il a dit, « Innaka mayitun wa innahum mayitun. » Vous allez tous mourir, on va tous mourir. Donc il va falloir quand même que je ne sois pas bête pour ne pas me préparer pour ça. Tayyib, quand est-ce que ça va venir? Allahu a'lam. Mais tu te dois de te préparer à l'avance pour que tu n'aies pas de mauvaises surprises et préparer toutes les personnes autour de moi à pouvoir me laver, me nettoyer, me faire ma toilette mortuaire. Comment la préparer? On n'est pas encore arrivé à la mort. Tout ce préparatif-là, ça prend dans notre religion, mes enfants, de notre vivant. Et nous devrions tous et toutes, mes enfants, faire une pause, wallahi, faire une pause de pré-préparation à connaître tout ce qui est rituel au niveau de la mort du musulman ou de la musulmane. Mes enfants, une fois qu'on est mort, c'est soit les anges de la miséricorde, soit les anges de châtiment, du azab. Nasarullah an yarhamna. Qu'Allah nous donne les anges de la miséricorde. Amin. Les anges de la miséricorde viennent, les ulama ils disent, viennent avec 70 000 anges. 70 000 malak. Qu'allek pourquoi? Zahma tahrab, tu vas te sauver. Ma andoukain tahrab. Tu ne peux plus te sauver, cousin. Tu ne peux plus te sauver. Vous savez, quand la personne voit l'ange de la mort, Allah il enlève le voile de l'invisible, il ne peut plus communiquer avec vous, ni avec moi. Et par Allah, je l'ai vécu avec mon propre papa. Allah irham wa irham jami' al-muslimin. Amin. Je l'ai vécu avec mon propre papa qui est mort dans mes bras. Il est vivant. Mais il ne peut pas communiquer. Les yeux fixant le ciel. Non. Il ne peut plus communiquer parce que il ne peut plus nous rendre des comptes. Il ne peut plus nous dire quoi que ce soit. Mais tu vois le signe de fin de vie de chacun après sa mort. Wallahi. Vous voyez des gens après la toilette mortuaire, mes enfants. Et je vous recommande, mes sœurs, wallahi, mes sœurs. Je vous recommande, mes sœurs, beaucoup plus que les frères, de aller visiter les toilettes mortuaires. Ça revivifie un petit peu la foi. Et vous les frères, vous devrez apprendre à faire la toilette mortuaire. Parce que si ton voisin, il vient te toquer chez toi et tu dis, voilà, j'ai mon père, mon oncle, mon neveu, il est mort. Comment on va faire? On ne va pas l'enterrer sans qu'il soit
nettoyer, laver, tu te dois justement de l'apprendre. La première des choses, mes enfants, après la mort, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, si on était islamiquement correct, en bonne et due forme avec Allah Azza wa Jal, Allah nous envoie les anges de la miséricorde avec 70 000 anges. Ces 70 000 anges, c'est l'ange de la mort qui prend notre âme. L'ange de la mort, beaucoup d'Arabes, ils l'appellent Azraïl. Ils disent que c'est Azraïl, ils disent. Ça ne s'appelle pas Azraïl. Et là, je vais vous raconter une petite blague. C'est une femme. Une femme, elle a eu vous connaissez la lampe de Aladdin, là. Genre un djinn, il est sorti. Il lui a dit, fais trois vœux, je les exauce pour toi. Mais sache que tous les trois vœux que tu vas faire, chaque vœu que tu vas faire, je donnerai 10 fois plus à ton mari. Fais 3 vœux. Sache que chaque vœu que tu vas faire, je vais en donner 10 fois plus à ton mari. Ah, elle a dit, c'est bien ça. 10 fois à mon mari, oui. Alors, fais que je sois la plus belle femme du monde. Elle dit, mais attention, je vais faire ton mari 10 fois plus beau. Mais c'est pas grave. 10 fois plus belle. Et bon, elle devient Zahma 10 fois plus belle. Deuxième chose, elle lui dit, fais que je sois la plus riche des femmes. Mais attention, la plus riche des femmes, ton mari va être 10 fois plus riche que toi. C'est pas grave, c'est mon mari. Toc, c'est bon, exaucé. Troisième, elle lui dit, je voudrais que tu me donnes une toute petite crise cardiaque. Et pourquoi? Elle dit, comme ça, j'hérite tout ce qu'il a laissé. Mes enfants, wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. Quand la mort elle vient, on ne va plus penser à rigoler. On ne va plus penser à nous amuser. Idha ja'a malik al-maut, la ansaba baynahum. Il n'y a plus de c'est ma femme, mon mari, mon frère, ma soeur. Il y a la réalité de ce qu'il y a dans ton cœur qui va pouvoir justement te donner une bonne ou une mauvaise fin. La première des choses, quand on est en train d'assister à la personne qui est en train de mourir, c'est de ne pas oublier le doigt, les invocations, faire les ablutions, faire deux rak'at et implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il fasse miséricorde. Cette personne, quand il est en train de mourir, il faut humidifier un petit peu ses lèvres avec de l'eau fraîche. Essayez de lui mettre quelques gouttes s'il peut boire. L'orienter vers la Qibla, l'orienter vers la direction de la Qibla. Dès qu'il ferme les yeux et qu'il est mort, il faut fermer les yeux. Parce qu'après, au moment de la toilette mortuaire, les yeux peuvent recevoir de l'eau et il n'y a plus rien qui peut l'empêcher, ou la bouche, c'est pareil, de rentrer dans son corps. Il faut le donner à se faire la toilette, que ce soit un homme ou une femme, par quelqu'un qui sait très 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 bien faire ça. Il faut faire rapidement, avant que le corps se décompose, pour pouvoir faire la salade sur lui et l'enterrement. La première des choses, appliquer ce qu'il a laissé comme testament. Après la mort, mes enfants, vous devrez tous et toutes, et les frères particulièrement convertis, les frères et les sœurs convertis, vous devrez tous et toutes laisser un testament avant votre mort, en demandant à votre famille, je suis signé Foulane ou Foulana, un tel ou une telle, ordonner à ma famille, après ma mort, de me faire l'enterrement selon le rite musulman. Car si vous ne le faites pas, vous risquez d'être incinéré, wallahi, ou d'être enterré dans un endroit qui n'est pas islamiquement demandé par Rasulullah alayhi salatu wassalam. Faire des doigts pour lui, Inch'Allah. Ça, c'est les recommandations que j'aimerais vous donner avant la mort de la personne. « Yaqbidu malikul maut » On a dit l'ange de la mort qui s'appelle l'ange de la mort. « Malikul maut » Il s'appelle « Malikul maut » Quand il apprend l'âme, il la donne à des anges. « Malaikat al-Rahman »« Nasalallah nijalna min ha'oula » Il prend l'âme de la personne, il la donne aux anges de la miséricorde. « Fa in kana mu'minan » Si c'est un vrai croyant,
الملائكة تأخذ هذه الروح. Elle va prendre cette âme-là. Le hadith du Nabi alayhi salatu wassalam qui nous a raconté في جنازة من أحد رجال الأنصار. Il y avait un enterrement d'un homme. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était là. Il a dit استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين. Demandez à Allah de vous protéger du châtiment de la tombe deux fois ou trois fois. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا من الآخرة. L'individu croyant, la croyante ou le croyant, l'homme, l'individu, l'être croyant ou croyante, quand il est en train de quitter la dunya, il est en train de prendre le cheminement vers l'au-delà, l'autre vie. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. Allah lui envoie des anges du ciel avec un visage blanc lumineux. كأن وجوههم الشمس. Leur visage aussi lumineux que le soleil. Allahu Akbar. معهم كفن من أكفان الجنة. Ils ont un lancel, comment ça s'appelle? Le tissu de vêtements là, pour le mort, on l'appelle comment? Linceul. معهم كفن, le linceul du paradis. Allahu Akbar. Linceul du paradis. وحنوط من حنوط الجنة. Tous les parfums, tout le préparatif du mort, quand on fait une toilette mortuaire, on fait tout ce qui est herbe, tout ce qui est protection pour le corps, pour qu'il ne décompose pas, ou il ne se détruit pas tant qu'on ne l'a pas enterré, etc. Eux, ils le font, mais avec quelque chose de particulier. Hunut min hunut al-janna. Thumma yajlisu minhu madd al-basar. Et puis il reste à côté de lui, jusqu'à ce que l'ange de la mort, fayati malik al-maut, thumma yaji'u malik al-maut, hatta yajlis 'inda ra'sih. Il reste à côté de sa tête. ويقول ملك الموت il dit يا أيتها النفس المطمئنة ô toi l'âme apaisée tranquille اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Sors pour un pardon d'Allah Azza wa Jalla, une satisfaction. نسأل الله, j'ose espérer qu'Allah il fasse que toutes et tous en soient parmi ceux-là. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم nous informe فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Elle sort comme la goutte sort. Vous savez, quand vous prenez dans le temps, ils mettent quelque chose pour remplir de l'eau. Et ils versent de l'eau avec. Elle sort facilement, comme une goutte d'eau qui sort de justement ce moyen où on mettait de l'eau. فيأخذها الملك il la prend فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين. Il ne la laisse pas le laps d'un clin d'œil dans ses mains. ثم حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن. Il la met dans justement ce linceul qui est venu du paradis avec ذلك الحنوت, avec tout ce qui a été comme parfum كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Ce parfum qui est le plus, qui sent plus bon que tout ce que vous avez senti comme parfum sur terre. Mais mes enfants, je suis obligé de vous dire la vérité. وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ Mais le mécréant. C'est hadith al-Nabi alayhi salatu wa salam. Le prophète nous enseigne que le mécréant. وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا. Quand il est en train de quitter la vie ici-bas. Et qu'il va vers l'autre vie. وَإِقْبَالًا مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودٌ. Il va avoir des anges noirs. سود الوجوه, le visage noir, avec des visages noirs. معهم المسوح, الله أكبر. فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Il reste pareil, avec tout ce qu'ils vont emballer l'âme de cette personne-là dedans, avec les anges de châtiment qui sont en train d'attendre. Et puis, l'ange de la mort prend cette âme-là et il la tire. فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأن تنريح جيفة وجدت على وجه الأرض الحديث. Et de l'âme de cette personne-là, mécréante, les anges vont faire quoi? Vont la mettre justement dans ce spécial linceul qu'ils ont emmené de l'enfer. Allah yahfadhna wa yahfadhkum, qu'Allah nous en préserve et vous en préserve. Et ils ne vont pas la garder quelques secondes, mais ils vont la monter là où, au-delà de tous les cieux. Et dans chaque ciel,
l'âme du croyant ou de la croyante, les anges diront, c'est l'âme de qui cette âme qui sent aussi bon? Et de la même façon, c'est l'âme de qui cette âme qui, Allah yahfadna wa yahfadkum, qu'Allah nous en préserve tous et toutes, Inch'Allah, qui sont mauvais, c'est l'âme de qui? Mes enfants, il ne faut pas s'enfler d'orgueil dans votre vie comme dans la mienne. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir, et comme on va tous mourir, il faut s'y préparer maintenant. Car si nous nous enflons d'orgueil, yuhsharul mutakabbiruna amthal adh-dharr yawm al-qiyamah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ceux qui s'enflent d'orgueil, ceux qui sont orgueilleux au jour d'aujourd'hui, moi je, ils vont être yawm al-qiyamah fi suwar ar-rijal yakhshahum adh-dhulm min kulli makan. Allahu akbar. Ils vont être, vous savez, dans une situation d'humiliation. Les gens marchent sur eux. Ils sont comme des petits atomes, des tout petits bonhommes. Les gens, ils marchent sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont enflés d'orgueil. Et parmi les choses qui font qu'Allah Azza wa Jalla, il est fâché contre nous, ceux qui nous cachent la vérité, les savants qui connaissent la religion et qui ne la disent pas, alladhina yaktumuna ma anzalallahu min al-kitab, ceux qui cachent la vérité, hadou leur mort, ça va être difficile pour eux. Ceux qui connaissent la science et qui ne la disent pas. Et c'est pour ça que je me dois, mes enfants, de vous dire toute la vérité sur ce sujet-là. Et je m'en moque de ce que les gens peuvent penser s'ils n'ont pas la même croyance que nous. Car vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Français? Qui vivra, verra. C'est des mythos. C'est qui mourra, verra. Wallahi. Wallahi. Qui vivra ne verra rien du tout. Tu vas te voir vieillir, après devenir un vieux truc, une vieille chose, et après tu vas clamser. Mais c'est quand tu vas mourir que tu vas voir. C'est qui mourra verra. Wallahi. Walihada. Le deuxième, mes enfants, que Allah Azza wa Jal ne va pas lui parler, yawm al-qiyamah. La yukallimuhum Allah. Après notre mort, méfiez-vous. Et celle-là, c'est pour mes enfants que j'aime, fillah Azza wa Jal, vous et tous les autres. Aqul waliday. Celui qui néglige ses parents. Mon frère et ma soeur, tu vas clamser, je vais clamser, on va tous mourir. Il ne faut pas que je sois en bise-bise avec mes parents. Ça va m'engendrer que mon père, ma mère ne sont pas fâchés contre moi. Wal jannatu tahta aqdami al-ummahat. Vous savez tous et toutes que le paradis se trouve sous les pieds des mamans. Et vous savez tous que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Walidaka jannatuka wa narak » tes parents, ce sont ton paradis ou ton enfer. Donc il ne faut pas être en porte-à-faux avec vos parents. Il ne faut pas que vous fassiez quelque chose qui va fâcher vos parents, qui va courroucer vos parents, qui vont faire des douas contre vous parce que leur doua, il est accepté par Allah. Wallahi. Wallahi. Vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit « Méfiez-vous de sept péchés capitaux. » Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Ijtanibu, éviter. As-sab'a al-mubiqat, les sept péchés capitaux. Seven, vous connaissez le film Seven? Wallahi. Mais ces seven-là, elles sont tellement importantes parce que c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'a dit. La première, ash-shirk billah. Vous savez c'est quoi ash-shirk billah? L'association. Vous connaissez l'association? Sur la tête de ma mère, c'est de l'association. Combien de Arabes Algériens sur la tête de... Ou Rasoul Idet, il est Aziz Aliya. Ou Rasoul Mohamed, il est cool. Mohamed, il est plus aimé à son cœur qu'Allah Azza wa Jal. Pas Mohamed Rasoulullah, c'est Mohamed son fils. Wallahi. Et bien, هذا من كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بغير الله فقد أشرك. Celui qui est mouchrik, quand il va mourir, il va mal mourir, il ne va pas bien mourir. Celui qui est aq li walidayh, il ne va pas bien mourir. Il ne va pas trouver la ilaha illallah. Parmi les choses que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, la première des péchés capitaux, ash-shirk billah. La deuxième, uququl walidayh, négliger ses parents. Wallahi, mes enfants. Il y a beaucoup d'autres choses dont je ne vais pas vous en parler toutes parce que le temps est court. Mais mes enfants, je voudrais vous interpeller sur une chose importante.
Vous êtes en France. Vous êtes en Europe, en Belgique, en Hollande. Dans un monde où on ne parle pas de la mort. On ne parle pas souvent de la mort. Et si tu parles trop de la mort, tu es trop lugubre. Vas-y, c'est bon. Toujours les mêmes sujets, la mort, la mort, la mort. Laisse-nous vivre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah, alayhi salatu wassalam ? Akthirou. Ça veut dire quoi, akthirou ? Parlez souvent. Kithirou. Akthirou. Min hadim al-lazat. Hazim al-lazat. Hazim, c'est celui qui gâche les plaisirs. Si quelqu'un il est en train de manger un repas, masha'Allah, magnifique, et tout d'un coup on vient, on lui dit ta mère elle est morte, Allah histère, ou la tempérée elle est morte, et qu'est-ce qu'il va dire? C'est fini, il ne peut plus manger, il ne va pas dire écoutez, laissez, je finis le repas, après je vois ce sujet-là. Il lève la main, il ne peut plus manger. Donc c'est ce qui a gâché le plaisir, c'est la mort. Voilà mes enfants, Harun al-Rashid, vous entendez parler de Harun al-Rashid? Vous connaissez les mille et une nuits là? Elf lila ou lila? Wallah, c'est une histoire montée de toutes pièces, c'est un mensonge. On racontait que Harun al-Rashid, il avait des femmes tout autour de lui. Et soi-disant, la femme doit lui raconter une histoire. Sans ça, une fois qu'elle a fini l'histoire, il la zigouille. Et elle est restée donc mille et une nuits. C'est qui? Comment s'appelle la femme qui est restée avec Harun al-Rashid? Comment s'appelle? Shahrazad? Taïb. Harun al-Rashid, c'est pas vrai. Tout ça, c'est un mensonge. Harun al-Rashid, c'est un savant musulman. Wallahi, mes enfants. C'est qu'un khalifa. C'était un khalifa. C'était le commandant de tous les croyants. Harun al-Rashid, Cheikh Kishki, rahmatullahi ta'ala alayhi, un savant musulman égyptien, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est mort, qui était un aveugle, qui est mort en prosternation, yawm al-jumu'ah. Il disait qu'il avait fait 80 années de ibadah, 40 ans hajj, chaque année il fait soit le hajj, soit les futuhat islamiques, soit il allait propager l'islam dans les autres endroits. Quand il est en train de mourir, il a dit Kana yandur. Il regardait son linceul, il le touchait par sa main, il l'a regardé et il disait Ma agna anni maliya, halaka anni sultaniya. Rien aujourd'hui ne peut me servir, ni les trésors que j'ai, ni l'argent que j'ai, ni le pouvoir que j'ai. Ce sont des gens qui se sont préparés pour la mort. Ce sont des gens qui ont déjà mis en place une pré-préparation pour que quand l'ange de la mort il vient, ils sont prêts. Al-Ma'moun, un autre commandant des croyants, il a demandé, quand il est en train de mourir, de le mettre par terre et de mettre son visage sur le sable. Et une fois qu'ils l'ont mis sur le sable et qu'il est dessus, il a fait un dua. « Ya man la yazul mulk. Ô toi, celui que son pouvoir il est toujours éternel, il est toujours là. « Irham man qad zala mulk. Sois miséricordieux avec celui qui n'a plus de pouvoir. » Il était commandant de tous les croyants, il est en train de mourir, il s'est préparé. Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu arda, ce compagnon de Nabi alayhi salatu wassalam, Bilal, vous savez c'est qui Bilal? Bilal que j'aime pour Allah azza wa jal. Bilal, ce compagnon. Bilal, celui qui a marché avec ses pieds sur la Kaaba, sur l'endroit le plus sacré de la planète Terre, la Kaaba. Il est monté avec ses pieds. Et il fait l'adhan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Adhan ya Bilal. Monte, il fait l'adhan. Bilal, au moment de mourir, sa femme, elle disait Wa hazanah, oh quelle tristesse que j'ai. Wa hazanah, faqala Bilal. Bilal, il lui dit Wa tarabah, quelle joie j'ai moi. Elle dit Oh ma tristesse, tu es en train de mourir, je vais te perdre. Et lui, il lui dit Mais quel bonheur que j'ai.
واترباه غدا نلقى الأحبة محمدا وسحبة. Demain on va rencontrer ceux qui nous sont chers, ceux qui sont les bien-aimés à notre cœur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad et ses compagnons. ولهذا mes enfants, c'est pour ça qu'on se doit tous d'œuvrer et de nous préparer, car la chose la plus importante dans notre vie, comme il a dit Allah Azza wa Jalla, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Il est mort à 14 ans, il s'étonnerait. Walihada, mes enfants, kamin insan na'im. Combien de personnes dorment au jour d'aujourd'hui, parmi vous, moi, nous tous? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rappel. Car on n'a pas de rappel qui nous réveille au niveau de prise de conscience que je vais un jour ou l'autre rencontrer l'ange de la mort. L'ange de la mort, il va nous voir un jour ou l'autre malgré nous. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on peut refuser d'aller avec lui? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut lui dire, non, écoute, tu sais quoi, laisse-moi un peu de temps. Ça y est, je vais tout arranger. Inch'Allah, je vais rectifier. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Première chose, mes enfants, si l'ange de la mort rentre maintenant, il nous prendrait notre âme. Combien de personnes parmi nous, au jour d'aujourd'hui, dans son téléphone portable, il aimerait avoir effacé toutes les choses qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jal. Toutes les photos qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jal. Toutes les musiques qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jal. Qui serait capable de rester tranquille en mourant avec ce que nous avons dans nos portables, dans nos ordinateurs? Walihada, Nabi alayhi salatu wa salam, mes enfants, akhbarana, que chaque âme goûtera la mort, comme il a dit Allah Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Vous savez pourquoi on commet les péchés? Limadha nudhnib. Pourquoi nous commettons les péchés? Qal kathratu dhunub min qaswati al-qulub. Nous commettons trop de péchés parce que nos cœurs sont durcis. Wa qaswati al-qulub, nos cœurs sont durcis, pourquoi? Min nisyan al-maut, parce que nous avons oublié la mort. Wa nisyan al-maut, l'oubli de la mort, il vient de quoi? Min touli l'amal. Parce que nous avons beaucoup mis d'espoir. Oh, mais je suis encore jeune, j'ai toute ma vie, Inch'Allah, mais un jour je me repentirai. Un jour. Touli l'amal. Mettre la barre loin au niveau de la mort. Wa touli l'amal min ash-shaytan. Na'am. Min ash-shaytan, mes enfants. Wa lihada, qala ahadul ulama, hubbu dunya yakoudu ila al-ghafla. Un savant a dit, l'amour de cette dunya-là, il nous emmène un petit peu vers l'insouciance. La première nuit après notre mort. Mais venez, on va voir avant la mort. On est en train de mourir. On est dans notre lit de mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, que celui qui est dans la droiture, celui qui est islamiquement correct, il a des anges qui vont venir extraire son âme, prendre ton âme, ma soeur, mon frère, prendre la mienne, peut-être la mienne avant vous tous parce que je suis plus vieux. Wallahi. Mais la mort ne choisit pas comme elle veut. Elle choisit comme Allah Azza wa Jalla en a décidé. Et première histoire de la mort où vous devriez méditer,
où je devrais méditer, c'est la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous êtes toutes et tous informés que le prophète il est mort à 63 ans et qu'il nous a dit a'maru ummati tatarawahu bayna 60 wa 70. Les âges de ma communauté varient entre 60 et 70 ans. Méditez un petit peu sur ce que je vais vous dire, mes enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam, tout petit, il a perdu son père et sa mère. Il a eu 7 enfants. Les 7 enfants de son vivant, 6 sont morts. Il en restait qu'une seule, Fatima Zahra. Et Fatima Zahra, au moment de la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, elle pleurait. Il l'a appelé, il lui a parlé dans l'oreille. Elle s'est mise à sourire. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qalat, non, je ne dévoile pas le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, on lui a posé la question. Elle a dit, il m'a dit que je serai la prochaine à le suivre. 6 mois après, elle le rejoint. Donc la mort pour nous les musulmans et les musulmanes, quand on s'y est préparé, on se doit de l'accueillir comment ? Avec joie. Qala sallallahu alayhi wa sallam, al maut tuhfatul mu'min. La mort, mes enfants, c'est la chose la plus merveilleuse, que le croyant attend. Sauf que nous, des fois, on a peur de la mort. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas préparé. On a tout préparé pour dunya. Wallahi. On a tout préparé pour la vie ici-bas. Un des prédécesseurs, on lui a dit, « Ya Sheikh, limada nuhibbu dunya wa nakrahu al-maut. » Pourquoi on aime cette vie si bas et on déteste la mort ? فَقَالَ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ. Parce que vous avez vraiment embelli votre vie si bas. Vous avez construit des patrimoines dedans. Vous avez tout cet être humain peut espérer. C'est un jour ou l'autre, malgré lui, qu'il meure comme ça plaise à Dieu. Qu'il meure, mais d'une façon lui donnant de l'espoir pour que cette mort soit justement l'arrêt de tous les soucis. Wallahi, mes enfants. Vous savez que quand on meurt, tous nos problèmes du jour d'aujourd'hui deviennent rien du tout par rapport à la première nuit dans la tombe. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, médite avec moi 10 secondes. Allah yiftah alikum, qu'Allah vous ouvre, inshallah, les portes de sa miséricorde, méditez sur ce que je vais vous dire. Si maintenant à la seconde là, l'ange de la mort il rentre, wallahi, si maintenant à la seconde là, dans cette salle, l'ange de la mort il rentre, est-ce qu'on est prêt à partir nous? Wallahi, on n'est pas prêt. Wallahi, on n'est pas prêt. Mais Allah Azza wa Jal, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné, mes enfants, de nous préparer à l'avance. De nous préparer à l'avance. Pour qu'on ne soit pas surpris. Pour qu'on n'ait pas de surprise. Et mourir pas comme ça plaise à Dieu. Allah Azza wa Jalla, il a envoyé ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit man sarrahu an yanzur ila yawm al-qiyamah. Celui qui aimerait voir une scène du jour de jugement, une scène du jour où tout le monde va passer devant Allah, et bien qu'il lise idha shamsu kuwirat. Qu'il lise cette surat. Idha shamsu kuwirat. وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. C'est un moment difficile pour nous tous et toutes, qu'on n'y a jamais peut-être pensé et préparé. Ceux qui sont arabophones, ils lèvent la main. Ceux qui sont arabophones, tassah. Arabophones, tassah. Mais si il traverse la rue, grâce à ta automobile, à ramasser un morceau. Man yafhamu al-lugha al-arabiyya yarfa' yadahu. Haoula alladhina yafhamuna al-lugha al-arabiyya. Barakallahu fikum. Mathal li nafsika ayyuha al-maghrur. Allahu akbar.
يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت. Attends, je vais faire ton mari 10 fois plus beau. Mais c'est pas grave. 10 fois plus beau. Et bon, elle devient Zahma 10 fois plus beau. Deuxième chose, elle lui dit, fais que je sois la plus riche des femmes. Mais attention, la plus riche des femmes, ton mari va être 10 fois plus riche que toi. C'est pas grave, c'est mon mari. Toc, c'est bon, exaucé. Troisième, elle lui dit, je voudrais que tu me donnes une toute petite crise cardiaque. Et pourquoi? Elle dit, comme ça, j'hérite tout ce qu'il a laissé. Voilà, bien. Mes enfants, wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. Quand la mort, elle vient, on ne va plus penser à rigoler. On ne va plus penser à nous amuser. إذا جاء ملك الموت لا أنساب بينهم. Il n'y a plus de ces ma femme, mon mari, mon frère, ma soeur. Il y a la réalité de ce qu'il y a dans ton cœur qui va pouvoir justement te donner une bonne ou une mauvaise fin. La première des choses, quand on est en train d'assister à la personne qui est en train de mourir, c'est de ne pas oublier le doigt, les invocations, faire les ablutions, faire deux rak'at et implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il fasse miséricorde. Cette personne, quand il est en train de mourir, il faut humidifier un petit peu ses lèvres avec de l'eau fraîche, essayer de lui mettre quelques gouttes s'il peut boire, l'orienter vers la Qibla, l'orienter vers la direction de la Qibla. Dès qu'il ferme les yeux et qu'il est mort, il faut fermer les yeux. Parce qu'après, au moment de la toilette mortuaire, les yeux peuvent recevoir de l'eau et il n'y a plus rien qui peut l'empêcher, ou la bouche, c'est pareil, de rentrer dans son corps. Il faut le donner à se faire la toilette, que ce soit un homme ou une femme, par quelqu'un qui sait très 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 bien faire ça. Il faut faire rapidement, avant que le corps se décompose, pour pouvoir faire la salade sur lui et l'enterrement. La première des choses, appliquer ce qu'il a laissé comme testament. Après la mort, mes enfants, vous devrez tous et toutes, et les frères particulièrement convertis, les frères et les sœurs convertis, vous devrez tous et toutes laisser un testament avant votre mort, en demandant à votre famille, je suis signé Foulaine ou Foulana, un tel ou une telle, ordonnez à ma famille, après ma mort, de me faire l'enterrement selon le rite musulman. Car si vous ne le faites pas, vous risquez d'être incinéré, wallahi, ou d'être enterré dans un endroit qui n'est pas islamiquement demandé par Rasulullah alayhi salatu wassalam. Faire des doigts pour lui, Inch'Allah, ça c'est la recommandation que je lui ai dit, fais trois vœux, je les exauce pour toi. Mais sache que tous les trois vœux que tu vas faire, chaque vœu que tu vas faire, je donnerai 10 fois plus à ton mari. Fais trois vœux. Sache que chaque vœu que tu vas faire, je vais en donner 10 fois plus à ton mari. Ah, elle a dit, c'est bien ça. 10 fois à mon mari, oui. Alors, fais que je sois la plus belle femme du monde. Elle dit, mais attention, je vais faire ton mari 10 fois plus beau. Mais c'est pas grave. 10 fois plus belle. Et bon, elle devient Zahma 10 fois plus belle. Deuxième chose, elle lui dit, fais que je sois la plus riche des femmes. Mais attention, la plus riche des femmes, ton mari va être 10 fois plus riche que toi. C'est pas grave, c'est mon mari. Toc, c'est bon, exaucé. Troisième, elle lui dit, je voudrais que tu me donnes une toute petite crise cardiaque. Et pourquoi? Elle dit, comme ça, j'hérite tout ce qu'il a laissé. Voilà, bien. Mes enfants, wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. Quand la mort, elle vient, on ne va plus penser à rigoler. On ne va plus penser à nous amuser. إذا جاء ملك الموت لا أنساب بينهم. Il n'y a plus de ces ma femme, mon mari, mon frère, ma soeur. Il y a la réalité de ce qu'il y a dans ton cœur qui va pouvoir justement te donner une bonne ou une mauvaise fin. La première des choses, quand on est en train d'assister à la personne qui est en train de mourir, c'est de ne pas oublier le doigt, les invocations, faire les ablutions, faire deux rak'at
et implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il fasse miséricorde. Cette personne, quand il est en train de mourir, il faut humidifier un petit peu ses lèvres avec de l'eau fraîche, essayer de lui mettre quelques gouttes s'il peut boire, l'orienter vers la Qibla, l'orienter vers la direction de la Qibla. Dès qu'il ferme les yeux et qu'il est mort, il faut fermer les yeux. Parce qu'après, au moment de la toilette mortuaire, les yeux peuvent recevoir de l'eau et il n'y a plus rien qui peut l'empêcher, ou la bouche, c'est pareil, de rentrer dans son corps. Il faut le donner à se faire la toilette, que ce soit un homme ou une femme, par quelqu'un qui sait très 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 bien faire ça. Il faut faire rapidement, avant que le corps se décompose, pour pouvoir faire la salade sur lui et l'enterrement. La première des choses, appliquer ce qu'il a laissé comme testament. Après la mort, mes enfants, vous devrez tous et toutes, et les frères particulièrement convertis, les frères et les sœurs convertis, vous devrez tous et toutes laisser un testament avant votre mort, en demandant à votre famille al-khawf min su' al-khatima, la peur de justement mal mourir. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah, il nous recommande de ne mourir que musulmans ou musulmanes. Hudhayfa ibn al-Yaman, vous savez ce qu'est Hudhayfa ibn al-Yaman? C'est ce compagnon qui était digne de confiance, à qui le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a donné la liste de tous les hypocrites. C'est l'homme de confiance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de mourir, عند الاحتضار. Cet homme-là, il fait partie des compagnons les plus proches du Nabi alayhi salatu wasalam. Il est avec Ibn Mas'ud, il est avec cet autre compagnon qui est Ibn Mas'ud, radiallahu anhu majma'in. Il lui dit, kum fa'anzur, lève-toi et va regarder. Kum fa'anzur, ayu sa'a hiya. Il n'avait pas de montre, ils n'ont pas de portable comme nous maintenant. Il lui dit, lève-toi et va regarder quelle heure il est là. Faqam Ibn Mas'ud, thumma ja'a. Ibn Mas'ud, il est sorti de la maison, ils y sont. Et puis il est revenu, il a dit, la qad tala'at al-hamra, yani shams. Le soleil, il est bien sorti. Faqala Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wa ardah. A'oudhu billah min sabahin ila an-nar. Je demande protection à Allah Azza wa Jal d'une matinée qui pourrait être peut-être une source d'aller directement en enfer. Limadha? Lianna an-Nabi alayhi salatu wa salam, il nous a informé, mes enfants. Celui qui meurt, son jour de jugement, il va commencer. Celui qui meurt, il ne faut pas s'attendre à ce que oui, je vais rester éternellement, peut-être pendant 2000 ans, 3000 ans, et après je vais être jugé. Non. Celui qui va mourir, son jour de jugement, il va commencer. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des anges qui vont venir lui poser des questions. Première des questions, et vous êtes encore vivante et je suis encore vivant et on n'est pas encore mort, on va voir si c'est les anges de la miséricorde qui se mettent devant nous, les anges du châtiment. Akhbarana an-Nabi alayhi salatu wasalam, mes enfants, de ça. Si nous avons œuvré toute notre vie avec des bonnes actions et avec des choses positives, nous avons fait les cinq piliers de l'islam. La première ou le premier des piliers qui va être, inshallah, positif pour toi et que tout le reste va être, inshallah, positif. Après shahada, quand tu es musulman et musulman, as-salat. Man saluhat salatuhu saluha sa'iru amalih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit après, tout ce qui est basé sur la réussite de tous tes projets, c'est ta prière. Si ta prière a été correcte, tout le reste va être correct. Quand on va mourir, mes enfants, les anges de la miséricorde viendraient pour prendre notre âme. En nous disant ana halifan falyahlif billah wa man halafa bighayrillah faqad ashrak. Celui qui est mushrik, quand il va mourir, il va mal mourir, il va pas bien mourir. Celui qui est aq li walidayh, il va pas bien mourir. Il va pas trouver la ilaha illallah. Parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, la première des péchés capitaux, ashrik billah. La deuxième, uququl walidayh. Négliger ses parents. Wallah, mes enfants. Il y a beaucoup d'autres choses dont je ne vais pas vous en parler toutes parce que le temps est court. Mais mes enfants, je voudrais vous interpeller sur une chose importante. Vous êtes en France. Vous êtes en Europe, en Belgique, en Hollande,
dans un monde où on ne parle pas de la mort. On ne parle pas souvent de la mort. Et si tu parles trop de la mort, tu es trop lugubre. Vas-y, c'est bon. Toujours les mêmes sujets, la mort, la mort, la mort. Laisse-nous vivre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah, alayhi salatu wassalam? Akthiru. Ça veut dire quoi, akthiru? Parlez souvent. Kithiru. Akthiru. Min hadim al-lazat. Hazim al-lazat. Hazim, c'est celui qui gâche les plaisirs. Si quelqu'un il est en train de manger un repas, masha'Allah, magnifique, et tout d'un coup on vient, on lui dit ta mère elle est morte, Allah histère, ou la tempérée elle est morte, et qu'est-ce qu'il va dire? C'est fini, il ne peut plus manger. Il ne va pas dire, écoutez, laissez, je finis le repas, puis je vois ce sujet-là. Il lève la main, il ne peut plus manger. Donc c'est ce qui a gâché le plaisir, c'est la mort. Voilà mes enfants, Harun al-Rashid, vous entendez parler de Harun al-Rashid? Vous connaissez les mille et une nuits, là? Elf lila ou lila? Wallah, c'est une histoire montée de toutes pièces, c'est un mensonge. On racontait que Harun al-Rashid, il avait des femmes tout autour de lui. Et soi-disant, la femme doit lui raconter une histoire. Sans ça, une fois qu'elle a fini l'histoire, il la zigouille. Et elle est restée donc mille et une nuits. C'est qui? Comment s'appelle la femme qui est restée avec Harun al-Rashid? Comment s'appelle? Shahrazad. Harun al-Rashid, c'est pas vrai. Tout ça, c'est un mensonge. Harun al-Rashid, c'est un savant musulman. Wallahi, mes enfants. C'est qu'un khalifa. C'était un khalifa. C'était le commandant de tous les croyants. Harun al-Rashid, Sheikh Kishki, rahmatullahi ta'ala alayhi, un savant musulman égyptien, rahmatullahi ta'ala. Fatan ala tout l'ilbala'i sabouru. وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصير على الذنوب كيف المصر على الذنوب دهور أسأل الله العظيم من فراري مسور qu'il fasse que notre vie ici dans ce monde si bas soit la chose qui va nous apporter une éternité paisible et agréable. Ce poème, pour ceux qui sont arabophones, ils comprennent un tout petit peu que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il nous a appelés pour méditer sur la mort, c'est en fait, il y a dans notre vie quatre modes de vie, quatre mondes. Ces quatre mondes, le premier monde dans lequel on se doit de méditer, الحياة التي خلقنا فيها في الأول. On était dans le monde du rahim. On était dans le monde du ventre de la maman. Premier monde. Deuxième monde. On est sorti du ventre de la mère à cette vie ici-bas. La terre, la vie et dunya. Troisième monde. Et c'est par lequel notre mort commence. عالم البرزخ. Le monde de Barzakh. Et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, quand vous allez comprendre qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui nous attend tous, ça va revivifier votre foi. Ça va te donner une envie de te repentir facilement. Alam al-Barzakh, la salle d'attente. Et le quatrième monde, Alam al-Ba'th, Yawm al-Qiyamah. Alam al-Barzakh, c'est la première salle, la première nuit après notre mort. Mais venez, on va voir avant la mort. On est en train de mourir. On est dans notre lit de mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran. Que celui qui est dans la droiture, celui qui est islamiquement correct, il a des anges qui vont venir extraire son âme, prendre ton âme, ma soeur, mon frère, prendre la mienne, peut-être la mienne avant vous tous parce que je suis plus vieux. Wallahi. Mais la mort ne choisit pas comme elle veut.
Elle choisit comme Allah Azza wa Jalla en a décidé. Et première histoire de la mort où vous devriez méditer, vous êtes contre qui? Contre Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il n'a pas compris celui-là quoi, mes enfants. Il n'a pas compris ce que le prophète alayhi salatu wa salam il a dit. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah Azza wa Jalla il aime sa rencontre. Mais celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Umna Aisha radiyallahu anha wa ardaha elle a dit à Rasulullah, kulluna yakrahu al-maut, nous détestons tous la mort. Qala laysa al-amru kadhalik ya Aisha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce n'est pas comme ça. Man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'a, celui qui aime la rencontre d'Allah Azza wa Jal, Allah il aime sa rencontre, il lui facilite la fin de sa vie et il le prend sur un acte qui plaise à Allah Azza wa Jal et il sera pris par les anges de la miséricorde. Naam. Voilà mes enfants, parmi les choses qu'on se doit de connaître par Allah Azza wa Jal, vous vous rendez compte? Salat al-janaza, la prière du défunt, la prière du mort. La toilette mortuaire, hein, vous allez tous mourir un jour ou l'autre, on va tous mourir. Vous savez qu'on va mourir. Vous le savez ça. Wallahi, c'est une vérité. Allah il a dit, innaka mayitun wa innahum mayitun. Vous allez tous mourir, on va tous mourir. Donc il va falloir quand même que je ne sois pas bête pour ne pas me préparer pour ça. Tayyib. Quand est-ce que ça va venir? Allahu a'lam. Mais tu te dois de te préparer à l'avance pour que tu n'aies pas de mauvaises surprises et préparer toutes les personnes autour de moi à pouvoir me laver, me nettoyer, me faire ma toilette mortuaire. Comment la préparer? On n'est pas encore arrivé à la mort. Tout ce préparatif-là, ça prend dans notre religion, mes enfants, de notre vivant. Et nous devrions tous et toutes, mes enfants, faire une pause, wallahi, faire une pause de pré-préparation à connaître tout ce qui est rituel au niveau de la mort du musulman ou de la musulmane. Mes enfants, une fois qu'on est mort, c'est soit les anges de la miséricorde, soit les anges de châtiment, du azab. Nasarullah an yarhamna. Qu'Allah nous donne les anges de la miséricorde. Amin. Les anges de la miséricorde viennent, les ulama ils disent, viennent avec 70 000 anges. 70 000 malak. Qu'allek pourquoi? Zahma tahrab, tu vas te sauver. Mais ando kain tahrab. Tu ne peux plus te sauver, cousin. Tu ne peux plus te sauver. Vous savez, quand la personne voit l'ange de la mort, Allah, il enlève le voile de l'invisible. Allahu Akbar. Yawm al-qiyamati wa samaa'u tamuru. Idha kuwirat ash-shamsu. Allahu Akbar. Idha kuwirat ash-shamsu shams an-nahari wa udniyat hatta ala ra'as al-ibad tasiru. Wa idha an-nujumu tasaqatat wa tanatharat wa tabaddalat ba'da adh-dhiya'i taduru. Wa idha al-biharu tafajjarat min khawfiha wa ra'aytaha mithla al-jahim tafuru. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأمليك أين تسير وإذا تقاتل المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموؤودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهكتت للمؤمنين ستور وإذا السماء تكشتت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفة على طول البلاء سبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصير على الذنوب كيف المصر على الذنوب دهور أسأل الله العظيم من فراري مسور كيل فاس que notre vie ici dans ce monde si bas soit la chose qui va nous apporter une éternité paisible et agréable. Ce poème, pour ceux qui sont arabophones,
Ils comprennent un tout petit peu que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous a appelés pour méditer sur la mort, c'est en fait il y a dans notre vie quatre modes de vie, quatre mondes. Ces quatre mondes, le premier monde dans lequel on se doit de méditer, Al-Hayat التي خلقنا فيها في الأول. On était dans le monde du rahim. On était dans le monde du ventre de la maman. Premier monde. Deuxième monde, on est sorti du ventre de la mère à cette vie ici-bas. La terre, la vie et dunya. Troisième monde, et c'est par lequel notre mort commence, عالم البرزخ. Le monde de Barzakh. Et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, quand vous allez comprendre qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui nous attend tous, Allah Azza wa Jal, il aime sa rencontre. Mais c'est lui qui déteste la rencontre d'Allah. Allah déteste sa rencontre. Umna Aisha radiallahu anha wa ardaha, elle a dit à Rasulullah, kulluna yakrahu al-maut, nous détestons tous la mort. Qala laysa al-amru kadhalik ya Aisha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce n'est pas comme ça. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء celui qui aime la rencontre d'Allah Azza wa Jal, Allah il aime sa rencontre, il lui facilite la fin de sa vie et il le prend sur un acte qui plaise à Allah Azza wa Jal et il sera pris par les anges de la miséricorde. Non. Voilà mes enfants, parmi les choses qu'on se doit de connaître par Allah Azza wa Jal, vous vous rendez compte, Salat al-janaza, la prière du défunt, la prière du mort. La toilette mortuaire, hein, vous allez tous mourir un jour ou l'autre, on va tous mourir. Vous savez qu'on va mourir. Vous le savez ça. Wallahi, c'est une vérité. Allah il a dit, innaka mayitun wa innahum mayitun. Vous allez tous mourir, on va tous mourir. Donc il va falloir quand même que je ne sois pas bête pour ne pas me préparer pour ça. Tayyib. Quand est-ce que ça va venir? Allahu a'lam. Mais tu te dois de te préparer à l'avance pour que tu n'aies pas de mauvaises surprises et préparer toutes les personnes autour de moi à pouvoir me laver, me nettoyer, me faire ma toilette mortuaire. Comment la préparer? On n'est pas encore arrivé à la mort. Tout ce préparatif-là, ça prend dans notre religion, mes enfants, de notre vivant. Et nous devrions tous et toutes, mes enfants, faire une pause, wallahi, faire une pause de pré-préparation à connaître tout ce qui est rituel au niveau de la mort du musulman ou de la musulmane. Mes enfants, une fois qu'on est mort, c'est soit les anges de la miséricorde, soit les anges de châtiment, du azab. Nasarullah an yarhamna. Qu'Allah nous donne les anges de la miséricorde. Amin. Les anges de la miséricorde viennent, les ulama ils disent, ils viennent avec 70 000 anges. 70,000 malak. Qu'Allah, pourquoi? Zahma tahrub, tu vas te sauver. Mais tu ne peux plus te sauver, cousin. Tu ne peux plus te sauver. Vous savez, quand la personne voit l'ange de la mort, Allah, il enlève le voile de l'invisible. Il ne peut plus communiquer avec vous, ni avec moi. Et par Allah, je l'ai vécu avec mon propre papa. Allah irahma wa irham jami'a al-muslimin. Amin. Je l'ai vécu avec mon propre papa qui est mort dans mes bras. Il est vivant. Toujours les mêmes sujets, la mort, la mort, la mort. Khalidouna n'aïchou wa rabbal alamin. Laisse-nous vivre. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah alayhi salatu wassalam? Akthiru, ça veut dire quoi Akthiru? Parlez souvent. Kithiru, Akthiru, min hadim al-lazat. Hazim al-lazat. Hazim, c'est celui qui gâche les plaisirs. Si quelqu'un il est en train de manger un repas, masha'Allah, magnifique, et tout d'un coup on vient, on lui dit ta mère elle est morte, Allah hister, ou la tempérée elle est morte, et qu'est-ce qu'il va dire? C'est fini, il ne peut plus manger. Il ne va pas dire, écoutez, laissez, je finis le repas, puis je vois ce sujet-là. Il lève la main, il ne peut plus manger. Donc, c'est ce qui a gâché le plaisir, c'est la mort. Voilà, mes enfants, Harun al-Rashid, vous entendez parler de Harun al-Rashid?
Vous connaissez les mille et une nuits là, Elf Lila ou Lila? Wallah, c'est une histoire montée de toutes pièces, c'est un mensonge. On racontait que Harun al-Rachid, il avait des femmes tout autour de lui, et soi-disant, la femme doit lui raconter une histoire. Sans ça, une fois qu'elle a fini l'histoire, il la zigouille. Et elle est restée donc mille et une nuits. C'est qui? Comment s'appelle la femme qui est restée avec Harun al-Rachid? Comment s'appelle? Shahrazad. Taïb. Harun al-Rachid, c'est pas vrai. Tout ça, c'est un mensonge. Harun al-Rachid, c'est un savant musulman. Wallahi, mes enfants. C'est qu'un khalifa. C'était un khalifa. C'était le commandant de tous les croyants. Harun al-Rachid, Cheikh Kishki, rahmatullahi ta'ala alayhi, un savant musulman égyptien, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est mort, qui était un aveugle, qui est mort en prosternation, yawm al-jumu'ah. Il disait qu'il avait fait 80 années de ibadah, 40 ans hajj. Chaque année, il fait soit le hajj, soit les futuhat islamiques, soit il allait propager l'islam dans les autres endroits. Quand il est en train de mourir, il a dit Kana yandur. Il regardait son linceul, il le touchait par sa main, il l'a regardé et il disait Ma agna anni maliya, halaka anni sultaniya. Rien aujourd'hui ne peut me servir, ni les trésors que j'ai, ni l'argent que j'ai, ni le pouvoir que j'ai. Ce sont des gens qui se sont préparés pour la mort. Ce sont des gens qui ont déjà mis en place une pré-préparation pour communiquer avec vous, ni avec moi. Et par Allah, je l'ai vécu avec mon propre papa. Allah irahma wa irham jami'a al-muslimin. Amin. Je l'ai vécu avec mon propre papa qui est mort dans mes bras. Il est vivant. Mais il ne peut pas communiquer. Les yeux fixant le ciel. Non. Il ne peut plus communiquer parce que il ne peut plus nous rendre des comptes. Il ne peut plus nous dire quoi que ce soit. Mais tu vois le signe de fin de vie de chacun après sa mort. Wallahi. Vous voyez des gens après la toilette mortuaire, mes enfants. Et je vous recommande, mes sœurs, wallahi, mes sœurs. Je vous recommande, mes sœurs, beaucoup plus que les frères, d'aller visiter les toilettes mortuaires. Ça revivifie un petit peu la foi. Et vous, les frères, vous devrez apprendre à faire la toilette mortuaire. Parce que si ton voisin, il vient te toquer chez toi, et tu dis, voilà, j'ai mon père, mon oncle, mon neveu, il est mort. Comment on va faire? On ne va pas l'enterrer sans qu'il soit nettoyé, lavé. Tu te dois justement de l'apprendre. La première des choses, mes enfants, après la mort, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, si on était islamiquement correct, en bonne et due forme avec Allah, azza wa jal, Allah nous envoie les anges de la miséricorde avec 70 000 anges. Ces 70 000 anges, c'est l'ange de la mort qui prend notre âme. L'ange de la mort, beaucoup d'Arabes l'appellent Azraïl. Ils disent qu'Azraïl, ils disent. Mais ça ne s'appelle pas Azraïl. Et là, je vais vous raconter une petite blague. C'est une femme. Une femme. Elle a eu un. Vous connaissez la lampe d'Aladin, genre un djinn, il est sorti. Il lui a dit, fais trois vœux, je les exauce pour toi. Mais sache que tous les trois vœux que tu vas faire, chaque vœu que tu vas faire, je donnerai 10 fois plus à ton mari. Fais trois vœux. Sache que chaque vœu que tu vas faire, je vais en donner 10 fois plus à ton mari. Ah, elle a dit, c'est bien ça. 10 fois à mon mari, oui. Elle a fait que je sois la plus belle femme du monde. Elle a dit, mais attention, je vais faire ton mari 10 fois plus beau. Mais c'est pas grave, 10 fois plus belle.
Et bon, elle devient Zahma 10 fois plus belle. Deuxième chose, elle lui dit, fais que je porte le hijab et elle est rentrée à la maison. Et elle a dit à son mari, à partir de maintenant, je vais porter le hijab. Son mari, qu'Allah lui pardonne. Assalallahu alayhi wa sallam, man yarham al-muslimin ajma'i. Qulu amin. Il a dit, non, je ne veux pas que tu le portes. C'est moi ton mari, c'est moi qui commande, je ne veux pas que tu le portes. Elle lui dit, mais attends, Ami Hassan, il a raconté une histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a dans la tombe, les femmes seront accrochées par leurs cheveux, et vont être pendues par leurs cheveux dans la tombe pour le châtiment qu'ils méritent d'avoir été un certain temps sans hijab. Je jure sur Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Ce qui lui a répondu son mari, il lui a dit, ne t'inquiète pas, quand tu mourras, je te raserai le crâne. Oksimu bi rabbi sab'a samawati wal ard. Oksimu billah. Il n'a pas fini l'année. Il est mort, lui, avant la dame. Non. Voilà, mes enfants, la mort. Wal mawtu ya'ti baghtatan. Ya man bi dunyahu ishtaghal. Wa gharrahu toulu l'amal. Wa qad madha fi ghaflatin. حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل الموت يأتي بغتة La mort, elle vient en surprise. Tu ne t'attends pas, mon frère et ma soeur, jusqu'à ce que l'ange de la mort, il est devant toi. Tu ne sais pas, 18 ans, 19 ans, 14 ans, mon petit-neveu, il avait 14 ans. Son grand-père, il est en réanimation, 88 ans. Le grand-père qui est en réanimation, 88 ans, il s'en sort, il vit un an après. Et mon petit-neveu de 14 ans, il fait un arrêt cardiaque, il meurt à 14 ans. Allahu Akbar. Il y a 2 ans de ça. Si on serait venu voir le grand-père, on lui aurait dit, ton petit-neveu, il est mort à 14 ans, il s'étonnerait. Voilà, mes enfants, kam min insan na'im. Combien de personnes dorment au jour d'aujourd'hui, parmi vous, moi, nous tous? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rappel. Car on n'a pas de rappel qui nous réveille au niveau de prise de conscience que je vais un jour ou l'autre rencontrer l'ange de la mort. L'ange de la mort, il va nous voir un jour ou l'autre malgré nous. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on peut refuser d'aller avec lui? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut lui dire, non, écoute, tu sais quoi, laisse-moi un peu de temps. Ça y est, je vais tout arranger. Inch'Allah, je vais rectifier. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Première chose, mes enfants, si l'ange de la mort rentre maintenant,